Bonjour, merci d'être là si matinaux. Et puis par définition, ceux qui ne sont pas là, ben, ils n'entendent pas ce que je dis, donc je ne peux pas les remercier d'être là. Nous venons de terminer la matinale de France Culture, ce qui me permet de faire une bonne transition, puisque la session qui suit va être animée par Olivier Poivre d'Arvor. Alors comme j'en ai fait la présentation l'année dernière, je ne voudrais pas me répéter devant ceux qui m'auraient déjà entendu. Je vais dire simplement une chose, c'est que on ne va pas parler de lui, on va parler de la station qu'il anime. France Culture est un partenaire du Forum d'Avignon et je crois qu'ils ont compris très vite, au fond, l'intérêt de ce que nous faisions ici, même si, comme son nom l'indique, France Culture, eh bien, c'est français, mais la qualité, au sens caractéristique d'Olivier Poivre d'Arvor, c'est de savoir que, par définition, la culture, elle est multinationale, oserais-je dire multigénérationnelle et multinationale. Et il a la chance d'animer une table ronde avec des gens qu'il vous présentera lui-même, parce qu'il fera ça beaucoup mieux que moi. Olivier, à vous. Je ne pourrais pas être là samedi, malheureusement, pour une raison toute simple, c'est que le 15 de France affronte, monsieur le ministre, l'équipe d'Afrique du Sud en rugby. C'est une manière de vous inviter à nous rejoindre, Paul Machatilé, qui est ministre de la Culture d'Afrique du Sud. If you want to join us, please. Je vais faire un peu de protocolaire quand même, parce que je suis passé par le Quai d'Orsay. Je voudrais saluer la présence parmi nous et autour de cette table et l'inviter à nous rejoindre de celui qui fut le Premier ministre du Québec et qui est Bernard Landry. Voilà, si vous voulez bien nous rejoindre. Et puis, comme nous sommes en France, honneur à nos amis qui viennent d'un peu plus loin que d'Avignon ou de Paris, installez-vous comme vous le sentez. Et je voudrais saluer la présence d'un juriste internationalement connu, qui est Lawrence Lessing, qui doit être tout près de nous. Et que, voilà, please, if you want to sit here. Ah, les artistes, ils viennent toujours à la fin. Et je voudrais d'abord inviter Yon Fan, que j'ai vu ce matin au petit déjeuner avec son chapeau, très repérable, voilà. Please. Et puis, mon petit frère, ou je ne sais pas, enfin, un ami, mais que vous connaissez surtout beaucoup, qui lui est le dernier à venir, parce qu'il est français, il est chez lui, mais enfin, il a fait le tour du monde, qui est Jean-Michel Jarre. Alors, monsieur le ministre, vous voyez, le rugby, ça se joue entre garçons. C'est un petit peu le problème de la table ronde, je ne vous cache pas. Je ne l'ai pas choisi. Je me souvenais qu'il y a 2 ans, Laure Kaltenbach, que j'aime beaucoup, m'a dit ce qui est formidable, c'est qu'au forum, la parité, c'est très important pour nous. Voilà, donc, alors, il paraît que la parité est dans la salle. Vous êtes peut-être mieux assises que nous, mesdames. C'est peut-être ça qui vous vaut le privilège de ne pas être autour de cette petite table. Et nous aurons l'occasion, certainement, pendant ces quelques minutes, ou en tout cas dizaines, ou petites heures et demie, d'interroger Frédéric Brodin, Françoise Benamou, Siem Belkodja, Monique Cantos-Perber, Orutos, voilà, 5 femmes d'exception dont nous aurons bien besoin à un moment donné quand même pour être sinon dans les quotas mais dans la justesse des points de vue. Alors la table ronde, la traduction, oui, qui est assez rectangulaire comme me rappelle Jean-Michel, est-ce que les traductions sont bonnes? Est-ce que vous entendez, messieurs, dans la langue qui vous est la langue plus familière? Voilà. Le matin, c'est un peu tôt, je reconnais, donc il faut trouver des thèmes un peu électriques et qui nous réveillent, et plutôt que nous expliquer les uns les autres que la culture est un facteur de cohésion sociale ou un espace de bien-être, les organisateurs ont une bonne idée, c'est de se poser la question de savoir combien de divisions dans la culture. C'est une manière un peu de revisiter des vieux sujets entre des conceptions de la culture comme élément de cohésion sociale qui s'opposerait peut-être à une conception plus tournée vers le développement économique ou une conception de la culture qui favoriserait le bien-être sur un territoire national, donc toujours la cohésion, ou au contraire une vision plus liée au rayonnement international.
un vieux sujet, des cultures et des contre-cultures, et puis des matchs que vous connaissez, un autre match qui n'est pas le match France-Afrique du Sud, parce que ça en rugby on le perd souvent, mais un autre match qui est celui de la France contre les États-Unis par exemple, ou la France et l'Europe, l'exception culturelle française contre le reste du monde, et puis en effet des conceptions, et c'est bien normal, tout à fait différentes de cet objet nommé largement culture, mais dans bien des pays, il s'appelle The Arts, on peut trouver d'autres termes, comme les industries culturelles. Donc ce dont nous parlons ce matin est à la fois un objet indéterminé, mais en même temps, il nous réunit ici. Et c'est intéressant de voir à travers vos différentes expériences, messieurs, non pas les divisions nécessairement, mais y compris d'ailleurs, je pense à Bernard Landry, au-delà de ce qui nous rapproche dans la langue, les vocabulaires qui structurent cette grammaire de la culture, qui sont évidemment nécessairement différents, liés à nos origines, à nos terrains et à nos histoires personnelles. Alors, l'idée, c'était de commencer de manière un peu dynamique, et nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Lessing. Alors, Laurence, vous êtes, je peux vous appeler Larry, ça vous va? Larry, you need a microphone, yes, please. Larry, vous êtes très très connu, et connu comme le loup blanc, on dit en français, d'abord parce que vous êtes américain et que vous avez réfléchi sur plein de sujets à très haut niveau. Vous êtes aujourd'hui professeur de droit à Harvard Law School, vous êtes un juriste, je l'ai dit, internationalement connu, vous avez beaucoup travaillé sur Internet et la société de l'école, vous êtes spécialiste du droit constitutionnel et le sujet, je crois que nous allons débattre ici, de la propriété intellectuelle. Et puis globalement, si on voulait résumer votre pensée, c'est que vous défendez la liberté sur Internet et que vous pensez globalement qu'une interprétation un peu extensive du droit d'auteur peut porter atteinte au potentiel de création, aux échanges et en ligne. Il y a un fameux article que vous avez écrit il y a maintenant presque plus d'une dizaine d'années qui s'appelle « Le code fait loi » et qui résume assez bien votre conception de la liberté dans le cyberspace. Vous êtes par ailleurs un des fondateurs de Creative Commons, qui est une organisation à but non lucratif qui a pour dessein de faciliter la diffusion et le partage des œuvres, tout en accompagnant de nouvelles pratiques de création à l'ère numérique. Alors, est-ce que vous avez conscience, en étant ici à Avignon, c'est-à-dire en France, que ce que vous dites n'est pas complètement politiquement correct pour l'Europe? Bien, à vrai dire, ça a été un honneur pour moi déjà d'être présent ici, parmi vous, il y a de cela 4 ans, et vous me l'avez enseigné il y a 4 ans. Sachez que ce que j'ai à dire n'est pas forcément grandement respecté ici en France. Donc il a fallu que je revienne pour poursuivre le débat et cette conversation. Parce que ce que je vous ai raconté il y a de cela 4 ans, c'était l'histoire de l'Internet qui libérait la culture, qui nous permet de passer d'une culture que l'on pourrait décrire comme étant lecture uniquement, c'est-à-dire read only, on consomme une culture créée ailleurs, donc vers une culture read write, donc où l'on écrit et l'on consomme. Et ça a été très intéressant pour moi, et d'ailleurs je l'ai vraiment appelé de mes voeux, cette transition. Mais aujourd'hui, j'ai souhaité évoquer un sujet qui peut-être est moins sujet à polémique, c'est-à-dire les droits dans le domaine de la politique et de la culture. Parce que le développement de l'Internet dans le développement de la politique à court terme, parce que c'est quelque chose dont on se félicite à court terme, un peu partout dans le monde, c'est clair, mais à moyen et long terme, on n'est pas sûr des avantages. Et je replace là dans le contexte du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient ou au Proche-Orient, par exemple, on a vu l'explosion de l'Internet de telle manière à ce que les dictateurs disparaissent, ou en tout cas qui marquent le déclin des dictatures. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est que l'on voit une amplification des pathologies par le truchement de l'Internet. La démocratie n'a pas remplacé automatiquement ce qui existait précédemment. Et l'Internet, maintenant, devient une arme que l'on utilise à l'encontre de ceux qui étaient à l'origine du mouvement de démocratisation. Et l'on observe quelque chose d'assez semblable aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, au tout début, lors des prémices de l'Internet, on célébrait l'Internet. L'on disait que c'était un élément qui allait permettre de créer des nouveautés incroyables. Au gouvernement du
Guermantes, par exemple, l'on avait le candidat démocrate contre George Bush, dont le message avait été amplifié par l'Internet. Et puis ensuite, il y a eu cette vidéo de Howard Dean qui est devenue virale, qui est apparue un petit peu partout sur l'Internet, et ça a été une arme qui a été utilisée contre lui. Mais ensuite, lorsque Barack Obama a pu mettre en échec Hillary Clinton, c'est précisément parce qu'il a été à même d'utiliser l'Internet pour servir ses intérêts. Donc c'était quelque chose qui le permettait, qui l'émancipait véritablement, qui lui créait de nouvelles possibilités. Mais à moyen terme, l'on peut dire que les effets de l'Internet sont plutôt des effets sombres. S'il y a une pathologie particulière spécifique au gouvernement américain, c'est la façon dont nous finançons nos élections, puisque nous le finançons par des financements privés, c'est-à-dire que les candidats passent énormément de temps à essayer de recueillir des fonds pour financer leur campagne. Et la politique est plus concurrentielle maintenant, mais l'on s'aperçoit que les candidats passent beaucoup plus de temps à essayer de récolter des fonds pour financer leur campagne. Candidats au Congrès ou au Sénat, par exemple, consacrent entre 30 à 70% de leur temps à la collecte de fonds pour essayer précisément de veiller à ce qu'il y ait réélection ou élection. Et aux États-Unis, on a du mal à y croire. Mais si vous examinez la vie, le parcours d'un député au congressman, au Congrès, vous voyez qu'en fait, il passe un temps fou à répondre au téléphone 2 ou 3 heures par jour, à téléphoner à des gens aux quatre coins du pays pour essayer de recueillir des fonds pour financer leur campagne. Ça leur permet de développer un sixième sens, une sensibilité exacerbée à la meilleure façon de recueillir des fonds. Ils ajustent leur message de manière à ce qu'il leur soit plus facile de recueillir des fonds. Lacey Berner, par exemple, avait dit à ses collègues au moment où il a été élu, il faut toujours essayer de s'adapter. En fait, de s'adapter à la tendance verte. Et il n'était pas quelqu'un ça n'était pas un écologiste. Mais la plupart des financements recueillis proviennent de contributeurs importants. En effet, les plus grands contributeurs représentent 0,5% de l'Amérique. 150 000 Américains, grosso modo, financent ces campagnes par le biais de dons et contributions importantes. Mais l'Internet a élargi l'espace pour les petites contributions. Mais ce que l'on redoute ici, c'est que ces petites contributions sont justement beaucoup plus efficaces aux extrêmes du spectre politique. Le Tea Party, par exemple, a vu le jour grâce à l'Internet. Il a ainsi pu recueillir des fonds provenant de petites contributions multipliées par des millions. Et les gros financeurs et les grands financements proviennent de l'extrémisme, justement. Et donc, à la droite ou à la gauche, l'on adresse le message suivant. Soyez aussi extrêmes que possible de manière à pouvoir recueillir les fonds qui financeront vos campagnes. Le sénateur du Connecticut, Chris Murphy, qui est le cadet du Sénat, a indiqué que, par exemple, lorsqu'il envoyait un email, il était démocrate attaquant les républicains. Et ce faisant, il recueille 3 fois plus de fonds que lorsqu'il fait l'éloge des démocrates. Et même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui est créée qui consiste à diaboliser l'adversaire pour recueillir davantage de fonds. L'on diabolise et par conséquent, il est d'autant plus difficile de gouverner parce qu'à partir du moment où vous diabolisez quelqu'un qui peut-être pouvait être votre partenaire pour adopter des législations pour gouverner, vous imaginez à quel point il est difficile justement de leur tendre la main suite à cette tendance à la diabolisation constante. Il n'y a pas de sujet suffisamment important pour que l'on puisse se mettre d'accord entre les différents partis du fait de cette dynamique de la collecte de fonds. Maintenant, la question qui se pose est celle de savoir si l'Internet peut être notre sauveur aussi. Parce que pour l'instant, l'Internet semble nous avoir enfoncé davantage que sauvé. Et j'aurais tendance à dire qu'en fait, seul l'Internet peut notre sauver. C'est le seul notre sauveur. C'est le seul qui peut justement veiller à un retour à la démocratisation. Mais est-ce que cette tendance sera véritablement suivie d'effet? Parce qu'il faut une tendance entre les différents partis, un mouvement qui permet d'établir le lien entre différents groupes politiques de manière à leur donner suffisamment de pouvoir pour surmonter cette dynamique pathologique du gouvernement américain. Depuis toutes ces années où vous avez beaucoup défendu ces questions de liberté dans le cyberspace, vous avez vu les positions qui étaient un peu tranchées entre les positions américaines ou sino-américaines, parce qu'on voit
qu'il y a beaucoup de débats aux États-Unis sur ces questions-là, mais la notion de copyright à l'américaine, cette position qui heurte souvent les conceptions européennes ou françaises de droit d'auteur, est-ce que vous avez vu ces deux conceptions se rapprocher? Est-ce que Internet a un peu fait éclater tout ça, cette division entre l'idée d'un droit d'auteur, d'une propriété intellectuelle née grâce à Beaumarchais en France, et puis de la notion anglo-saxonne du copyright? Est-ce que vous avez vu une évolution pendant ces 10 dernières années sous l'effet d'Internet et du monde numérique? Je ne pense pas que dans le contexte des élites, les changements aient été particulièrement patents. En revanche, pour ce qui est des jeunes, là, il n'y a pas énormément de différence observée. Il y a de cela 4 ans, j'étais venu vous voir et je vous avais parlé d'une manifestation qui avait eu lieu à l'université, même ici à Avignon. J'y ai participé. Le Forum d'Avignon avait organisé une manifestation qui permettait aux étudiants de poser des questions. Et les étudiants, très franchement, ne se distinguaient que peu des étudiants américains. Ils posaient les questions de la même façon. Ils voyaient l'Internet comme étant un outil de libération qui leur permettait de de partager leur créativité et de faire preuve de davantage d'agressivité dans la création de la culture. Et c'est ainsi que que les jeunes Américains voient l'Internet. Dans les élites, en revanche, la différence est nettement plus marquée. Et je ne connais pas suffisamment je n'ai pas suffisamment observé de progrès au niveau des élites. Je crois qu'on ne se rend pas suffisamment compte du changement intervenu dans les dynamiques existantes du fait de l'Internet. J'espère que ce sera le cas au niveau des élites. Et si les élites ne le font pas, je pense qu'au moment où les jeunes prendront le relais, ça se fera automatiquement. Pas largement entamé, et ça n'est pas un hasard si c'est Jean-Michel Jarre qui vient maintenant et que je vais interroger. Jean-Michel, vous êtes artiste autour de cette table, mais vous êtes aussi, et donc je ne rappelle pas l'artiste que vous êtes. C'est assez amusant parce que ce qui arrive très très vite quand on vous présente, on dit 80 millions de disques vendus, ça ne vous résume pas complètement. Loin de là, tout un parcours, du GRM jusqu'à en effet une présence partout depuis des années, sur plein de scènes, et la découverte de réalités culturelles, économiques, la Chine et tant d'autres, les BRIC, les pays en voie de développement qui ne le sont plus, qui sont développés. Mais vous êtes aussi, depuis maintenant un an, président du CISAC, de la CISAC. Et j'aimerais bien, je ne sais pas si Larry connaît la CISAC, mais peut-être que vous nous la présentiez, puisque vous avez pris ses fonctions relativement récemment, que vous êtes entouré de toutes sortes de gens très bien, comme Angélique Kidjo, Ousmane Sow, Javed Akhtar qui est avec nous, ou Marcelo Pinheiro. Évidemment, j'imagine que la CISAC peut réagir un peu au discours très brillant de Larry, tel qu'on le connaît depuis quelques années. Je souscris tout à fait à ce que vient de dire Larry dans les grandes lignes, parce que c'était plutôt une approche politique d'Internet que un propos directement lié à la propriété intellectuelle. Je voudrais juste dire un mot à propos de la CISAC. La CISAC, c'est une sleeping beauty. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et de créateurs qui regroupe une centaine de pays pas seulement de musiciens, de cinéastes, mais aussi tous les artistes, plus de plusieurs millions d'artistes, qui sont aussi bien les photographes, les plasticiens, les gens qui les cinéastes, les écrivains et les gens de médias également. Le C de la fin n'est pas compositeur, mais créateur. Je l'ai fait changer en réalité. Mais effectivement, nous sommes 5 à la tête de cette confrérie ou de cette confédération, avec effectivement des artistes, des créateurs qui sont ni américains ni européens, mais qui aussi représentent les autres parties du monde, et pas seulement des musiciens ou des cinéastes. Mais effectivement, on a
On a parlé de notre ami Javed Akhtar, grand scénariste, écrivain, poète indien. Qui est parmi nous, je crois. Je pense. Il est un peu tôt, peut-être. Et puis d'un certain nombre d'autres gens. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, le problème de la... qui n'en est pas un, d'ailleurs, mais ce qui a pu être ambigu ces dernières années en ce qui concerne le copyright et le droit d'auteur, c'est le fait que je pense que les artistes n'ont pas été capables d'envoyer un message clair à aux sociétés civiles. C'est-à-dire le fait que on a sans doute été on a apparu vis-à-vis de la société civile comme des gens qui finalement regardions dans le rétroviseur, avions peur de perdre des acquis, et qu'au fond on était considérés comme des gens qui étaient assis sur nos sacs d'or et qu'on avait peur de le perdre. Le problème de la propriété intellectuelle ne peut pas se résumer du tout seulement à un problème économique. C'est pas seulement un problème de droit d'auteur ou un problème de copyright. Il s'agit d'un des piliers de la démocratie. Le fait que on puisse aujourd'hui considérer que la propriété intellectuelle serait, et le problème du droit d'auteur ou du droit des auteurs et des créateurs ne concerne qu'une petite partie, une minorité de nos sociétés, est faux. Ça vous concerne tous, ça nous concerne tous ici. On a tous un frère, une sœur, un fils, une fille qui rêve d'être photographe, rêve d'être cinéaste, d'être musicien, d'être journaliste, et qui aujourd'hui est obligé d'avoir un job à côté. C'est pas nécessairement tragique à partir du moment où on prend les moyens et on réfléchit à la manière dont on doit harmoniser les relations entre les nouveaux créateurs de tuyaux et les gens du contenu. Il ne faut jamais oublier que dans un smartphone, la partie smart, c'est nous. Sont les créateurs. Et donc il faut simplement trouver inventer une économie durable pour que la culture soit effectivement considérée comme la clé pour le développement durable d'une manière générale. Et c'est intéressant de voir à quel point la culture d'ailleurs est devenue une priorité dans les pays de BRICS que vous évoquiez, Olivier, il y a quelques minutes. Je reviens de Chine où le gouvernement chinois vient d'organiser un grand forum sur culture clé du développement durable, ce qui paraît entre nous relativement surréaliste quand on imagine que c'est organisé aujourd'hui par le gouvernement chinois, ce qui montre à quel point il y a un changement dans les mœurs, un changement de réflexion dans tous les pays BRICS. C'est le cas en Afrique du Sud, bien sûr, et je pense que vous aurez l'occasion d'en parler, monsieur le ministre, mais c'est le cas au Brésil, c'est le cas en Inde, c'est le cas en Chine, bien sûr, avec le fait qu'il y a une vraie réflexion sur le fait que aujourd'hui il faut absolument qu'on arrive à inventer, et c'est on a besoin les uns des autres, on doit inventer une nouvelle manière de considérer le rapport économique entre le contenant, le contenu, le hardware et le software. Et je pense que ce sont des choses qui, j'ai beaucoup entendu, et je connais bien le discours de Larry, et je dois dire que je le partage sur un certain nombre de points. J'ai été moi-même très partisan du Creative Commons, et je pense que il ne faut jamais oublier... Mais c'est pas comme ça que vous êtes rémunéré en même temps. Voilà, il faut pas oublier que le Creative Commons, je l'explique pour les gens qui... De quoi il s'agit. C'est finalement, pour résumer, d'avoir une attitude plus souple vis-à-vis du droit et de pouvoir, au fond, mettre à disposition sa création. Alors je pense que c'est tout à fait juste, mais qu'il faut évidemment en laisser le droit, et je crois que Larry l'a dit à un certain moment, que c'est évidemment au choix des artistes. On ne peut absolument pas dicter aux artistes, à la manière de la Pravda, un système qui ferait que tous les artistes devraient mettre à disposition librement et gratuitement leur travail. Il est évident que la différence entre... Larry et moi, c'est que Larry est salarié. Il a une mensualité par, enfin en tout cas en France ce serait le cas. Je suppose que c'est la même chose pour lui. Quand on est fait partie d'une académie, d'un système, on est salarié et on peut effectivement en France un professeur est payé par nos impôts. Donc c'est la moindre des choses que son travail soit à la disposition
gratuitement de chacun. Alors, en ce qui concerne les artistes, évidemment, nous avons, et c'est une dimension dont on ne parle pas assez, il y a aussi la vulnérabilité et l'incertitude de l'artiste. La femme au foyer qui rêve de d'écrire un roman et l'incertitude et l'inquiétude qu'elle a devant la page blanche. C'est pas seulement le professionnel, c'est aussi l'ado qui rêve d'être photographe ou d'être cinéaste et qui aujourd'hui ne sait pas comment il va pouvoir survivre par son travail et va sans doute finalement jeter l'éponge et faire autre chose. Et c'est la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Donc vous dites en fait à Larry que s'il était compositeur comme vous, ou musicien, il n'adhérerait pas à cette solution alternative mais légale hein, des Creative Commons, Larry. Non, pas nécessairement. Je ne pense pas que c'est ce qu'il ait dit, d'ailleurs. Non. No, exactly right. Non, vous avez tout à fait raison. La CISAC. Depuis de nombreuses années, défend précisément la liberté offerte aux artistes de choisir de mettre à disposition leur œuvre ou pas. Et c'est précisément l'intérêt des Creative Commons. Je ne pense pas qu'il y ait de différence fondamentale entre Jean-Michel Jarre et moi-même. Je crois que la culture doit trouver la meilleure façon de veiller à ce que les professionnels de la culture bénéficient de l'appui dont ils ont besoin. Mais si l'Internet nous a appris une chose, c'est qu'il faut également qu'ils trouvent la meilleure façon de veiller à ce que les créateurs amateurs puissent créer librement. Ce sont deux éléments fondamentaux. Et les extrêmes consistent à dire qu'il n'y a que des professionnels ou l'autre extrême qui consiste à dire que les seuls créateurs sont des amateurs. Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. J'estime qu'au contraire, les droits d'auteur doivent évoluer de manière à donner satisfaction aux uns comme aux autres. Or, pour l'heure, le système des droits d'auteur à l'ère de l'Internet ne bénéficie pas aux créateurs. Ils perdent des sommes folles parce que l'on a encore un système hérité du 19e siècle et les créateurs amateurs, en revanche, sont menacés de toutes sortes de manières et ça ne bénéficie pas non plus aux artistes. Donc, je dis qu'il faut réactualiser le droit en matière de droits d'auteur, la législation en matière de droits d'auteur, de manière à donner satisfaction tant aux professionnels qu'aux amateurs. Et la CISAC est un groupe qui en discute et qui permet justement de faire avancer les choses. Et je crois que c'est ça qui nous distingue l'Europe des États-Unis. En Europe, par exemple, les organisations culturelles sont des organisations d'artistes. La CISAC représente en effet des artistes. Aux États-Unis, en revanche, les organisations culturelles sont des organisations d'éditeurs. RIAA ou MPA, par exemple, qui sont autant d'organisations qui défendent des éditeurs. Donc ce sont des conversations entre artistes en Europe et non pas entre éditeurs ou producteurs d'une certaine ère. Je ne vais pas du tout monopoliser le micro. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Larry sur le fait qu'il y a évidemment une différence de conception du copyright et du droit entre la conception américaine et la conception européenne. En gros, la conception américaine consiste à ce que le propriétaire, c'est celui qui produit. En Europe, le propriétaire de l'œuvre, c'est l'auteur, c'est celui qui la crée. Et c'est de là que viennent les choses. Et c'est sur ce plan, d'ailleurs, que je pense que l'Europe, et la France en particulier, a toujours été à la pointe de cette réflexion et a une contribution à faire au monde. Le monde regarde la France aujourd'hui et regarde l'Europe. D'ailleurs, les créateurs américains ne s'y trompent pas. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que des gens comme David Lynch ou Woody Allen ne sortiraient plus de films s'ils ne bénéficiaient pas de l'approche européenne, justement, du copyright, du droit d'auteur, tel que nous la concevons en Europe. Mais ce sont des niches, non ? Non, ce ne sont pas des niches, je pense que justement... Pardon de résumer, Woody Allen a une niche en termes commerciaux, mais pour le marché de l'industrie cinématographique. Là, je parlais simplement de certains créateurs qui... Pour aller dans le sens de ce que disait Larry, essaie justement de ne pas passer sous les fourches codines des systèmes de production standardisés américains. Mais il ne faut pas oublier le seul danger, le seul risque, je dirais, de ce qu'a pu dire Larry dans le passé, c'est qu'il n'ait pas été compris. À mon sens, c'est-à-dire qu'on mélange le fait que on mélange l'idée d'une gratuité systématisée avec le fait que la gratuité doit pouvoir se concevoir à partir du moment où on est un amateur au sens latin du terme, c'est-à-dire le fait de pouvoir finalement au fond créer chez soi en amateur, et puis le fait de vouloir en faire sa vie et sa carrière, et donc de trouver une manière d'en vivre.
tout le problème aujourd'hui pour tous les secteurs de la culture, c'est d'être finalement ce qui a été le cas, c'est pas nouveau. Hein. La culture a toujours eu à s'inventer et à s'inventer un système économique. Et je pense que aujourd'hui, effectivement, il faut arrêter aussi de diaboliser Internet en pensant que Internet est un ennemi. Nous avons besoin les uns des autres. Et je pense qu'il est extrêmement important de se dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on invente, nous les gens aussi des secteurs culturels, une manière justement d'arriver à pouvoir passer à travers ces tuyaux de la meilleure manière et de la manière la plus efficace et de pouvoir en vivre. Alors, on ne diabolisera pas Larry, on ne diabolisera pas Internet, mais je voudrais vous demander, avant de passer la parole à notre prochain invité, vous avez sur quelques décennies... beaucoup voyagé, donc vous avez été faire des concerts il y a 30 ans en Chine, un peu partout dans le monde. Est-ce que ce paysage est extrêmement mobile, ce paysage de la culture ou des cultures dans le monde? S'il fallait faire une sorte de prophétie pour se dire que dans 10 ans, au prochain Forum d'Avignon, dans 10 ans, est-ce que vous pensez que les conceptions qui sont encore un peu antagonistes, qu'on a essayé de décrire rapidement, notamment sur ces conceptions de propriété intellectuelle, ça, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une pensée plus globale sur la culture? Exemple, ce qui se passe en Chine, vous nous décrivez en effet le gouvernement qui tout d'un coup voit la culture comme un élément de développement durable. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de concevoir ensemble, nous, les 7 milliards, quelque chose qui serait une pensée plus globale et moins dans la confrontation? Oui, moi j'aime pas trop le mot de globalisation. Je pense que justement la différence entre Internet et la culture, c'est qu'Internet, si on parle d'Internet aujourd'hui, mais on pourrait parler de l'invention de Gutenberg il y a quelques siècles, on a toujours été confronté aux technologies, les artistes. Et ça a toujours été notre rôle de la détourner, de la manipuler et de s'en servir. Donc nous n'avons absolument pas peur des nouvelles technologies, on s'en sert au contraire. Et ce qui est mon cas, bien entendu. Mais en ce qui concerne, je crois que la différence il y a une grande différence entre être international, être mondial et être universel. Et la culture, évidemment qu'elle est nécessairement universelle. La culture, c'est creuser dans son propre jardin pour trouver, si on est européen par exemple, ou américain, ce qu'il y a de commun avec un petit chinois, un petit esquimau et un enfant de n'importe quel continent. Et donc d'aller creuser dans ses racines. C'est la raison pour laquelle de promouvoir d'aider, notamment dans les pays émergents, le fait de trouver une économie à la culture. C'est la seule issue pour que justement des pays qui ont besoin justement d'exister et de se développer puissent par la culture trouver un moyen de développer leur identité, leur présence et leur patrimoine. Je donnerai un exemple. Si on prend par exemple et c'est là où la CISAC intervient et peut avoir une utilité justement, c'est le fait de se dire qu'aujourd'hui on s'aperçoit que les patterns ou les graphismes ou les créations des aborigènes, des îles Maoris, des îles Fidji, pardon, des Maoris, sont pillés constamment par le monde de la publicité et de la mode, sans même d'ailleurs que ces secteurs le sachent. Et sous prétexte qu'on ne peut pas identifier le nom de l'auteur ou le créateur, je pense qu'à une époque, on se pose la question les propos de Larry indirectement ont pu faire croire que il faudrait supprimer la notion de droit d'auteur et de copyright, et que c'était une vieille idée liée au XVIIIe siècle par des rêveurs français et européens. Je pense qu'il faudrait même se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas créer la notion d'eternal copyright. L'idée que, au bout d'un moment, les droits puissent tomber dans un fonds mondial qui puisse justement aider un certain nombre de pays, aider notre relation entre le Nord et le Sud. Le Nord et le Sud aussi, les problèmes entre le décalage qu'il y a entre le Nord et le Sud, c'est aussi un décalage qui est un décalage sur le plan de la manière dont on approche la culture et dont on donne les moyens aux gens de pouvoir exprimer leur propre culture. Et ça s'appelle le patrimoine immatériel et le respect du patrimoine immatériel que l'UNESCO en particulier tente de défendre et de promouvoir. Alors si vous me permettez, parce que vous bouleversez un petit peu l'ordre de la conversation telle que j'imaginais, puisque vous parlez en effet de cette relation c'est le rôle des artistes. Absolument, la contre-culture et le bordel. Donc tout d'un coup vous me parlez de Nord-Sud, d'un fonds qui serait une sorte de fonds comme ça de solidarité, et je me dis
que nous avons la chance d'avoir Paul Machatile, qui est le ministre de la Culture d'Afrique du Sud, ici présent. On a beaucoup parlé de votre pays, vous le savez, cette année en France, mais partout dans le monde, pas uniquement pour le rugby, ni pour sa grande histoire, mais pour sa culture. Il y a une année sud-africaine en France qui a révélé ce qu'on savait, mais que le grand public peut-être ne connaissait pas, c'est-à-dire la richesse des créations, du patrimoine d'Afrique du Sud. Quand vous écoutez notre conversation là, entre un grand juriste international américain, un grand compositeur français, est-ce que vous avez l'impression que c'est une discussion entre pays riches qui ont une conception comme ça un peu facile de la culture et du marché et d'Internet? Est-ce que vous êtes face à des défis d'un autre ordre, où vous vous sentez dans la même ligue, dans cette table, voilà, dans le même groupe? Hello. Well, firstly, let me... D'abord, je tiens à saluer les ministres ici présents, nos invités et les participants à cette discussion. Les débats sont un petit peu les mêmes, mais je voudrais quand même revenir à cette notion de décalage que vous évoquez. Hier, brièvement, je me suis exprimé sur cette définition de la culture en disant que la culture, c'était l'âme de la nation, et c'est notre mode de vie qui s'exprime à travers la culture, puisque c'est la culture qui définit qui nous sommes et ce que nous faisons. Mais si l'on examine les différents aspects de la culture, je dirais d'abord ceci. La culture joue bien sûr un rôle essentiel dans le développement économique. Regardez justement le secteur de la culture comme secteur économique. Chacun s'accordera à reconnaître que c'est un secteur qui est un moteur du développement économique dans bien des pays. Et c'est peut-être là que le débat devrait commencer. Autrement dit, lorsque l'on veut diffuser la culture par différents supports, que ce soit Internet ou autre chose, c'est bien gentil, mais il faut d'abord voir comment cela s'articule avec un rôle économique et ce qu'on appelle un économe dans le sens d'agent économique, bon, facteur économique. Mais ensuite, facteur de cohésion sociale également, parce que la culture nous amène à remettre les cartes sur la table et voir comment la culture est un facteur de construction de la nation, de reconstruction de la nation. Ce qu'on appelle Umbundu dans notre langue, c'est quoi au fond? Ça s'écrirait U-M-B-U-N-T-U. Ubuntu, d'accord. Mais c'est un terme de notre langue, mais qui dit... Ce mot dit ce que je fais s'inspire de ce que font les autres. Autrement dit, la culture se fait par coopération, par échange entre les gens du même communauté, mais également entre communautés. Hein, c'est quelque chose qui c'est ce qui tisse, c'est le tissu social qui construit donc le tissu social. Et c'est ce que nous a enseigné le président Mandela, c'est la façon de réunir, de rassembler des gens venant d'horizons différents et qui voient ce qu'ils ont en commun et qui construisent quelque chose de commun dans la diversité. C'est ça que fait la culture au niveau d'une communauté. On a besoin de gens comme vous, là. Hein? On vous expliquera le sous-texte. Bon, enfin, si vous cherchez un jour un travail, je vous appelle. C'est très gentil. Mais je voudrais dire une toute dernière chose. Ce que je disais là, c'était cette question de cohésion sociale, à part le facteur économique. Et puis, le troisième facteur, c'est ce que j'appelle la diplomatie culturelle. Là encore, je m'explique. La culture peut nous aider à construire les relations entre les États. Moi, je le dis à mes collègues ministres, lorsque les pays parlent de relations entre pays, ils parlent de relations économiques, d'échanges économiques. Lorsque je viens en France, on parle des échanges
commerciaux entre la France et l'Afrique du Sud. Bon, c'est très bien, mais au bout du compte, il faut s'assurer que les relations entre les gens existent. Parce que si moi, je comprends votre culture, eh bien, les relations commerciales s'en trouveront améliorées. Ça tombe sous le sens. Et je crois que, justement, le forum de la culture doit faire avancer ce genre d'idées. Si on veut améliorer quoi que ce soit dans les relations, qu'elles soient économiques ou autres, si on veut améliorer les relations entre les nations, s'assurer qu'elles œuvrent ensemble pour la paix, qu'elles construisent ensemble des institutions démocratiques, cela ne peut se faire que si les nations connaissent la culture les uns des autres. Et puis, troisièmement, et par rapport à cela, quel est le rôle des États, des gouvernements par rapport à tout cela ? On s'est demandé hier, est-ce qu'il fallait plus d'intervention de l'État ou non dans la culture ? Ce que je dirais, c'est ceci. L'État doit créer un climat propice à l'éclosion de la culture. L'Internet, bon, il faut une forme de législation, il faut un système pour que les choses fonctionnent de manière harmonieuse. Effectivement, nous vivons dans un monde complètement dominé par l'Internet et la numérisation, etc. Et il faut revoir la législation pour qu'elle s'adapte à cette nouvelle donne, à ce nouveau paysage, de faire en sorte que les choses fonctionnent de manière satisfaisante. Alors, hier, à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que je risque pas de perdre mon emploi parce qu'on n'a plus besoin de ministre de la Culture ? Voilà, oui, c'était une petite allusion à ce qui s'était dit hier. On pourrait fonctionner sans ministère de la Culture. Pour autant, moi, ce que je dis, c'est ceci. Les gens doivent pouvoir être créatifs. La création artistique doit être encouragée. Les États doivent être là pour faciliter les choses. Faciliter comment ? En faisant intervenir le secteur privé. Hein, le financement ne doit pas venir que du secteur public. Vous avez effectivement des artistes du monde entier qui disent « Oui, l'État ne nous subventionne pas. » Non, il faut que les gens puissent voler de leurs propres ailes, qu'ils puissent être trouver une relation avec le secteur privé. Mais pour autant, les gouvernements doivent pouvoir jouer un rôle utile pour que la culture aille dans le sens du développement économique aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire sous la direction de l'État, en construisant la cohésion sociale au sein du pays, mais également en construisant la relation avec les autres pays. L'exemple de la relation entre l'Afrique du Sud et la France en est un exemple assez clair de tout cela, la façon dont les relations se construisent. Alors, il peut y avoir des matchs de foot ou de rugby, on verra bien qui l'emporte, mais enfin, c'est quelque chose qui participe à la construction des relations entre nos pays. Et alors, pour en revenir, si on dit, voilà, les bonnes relations entre la France et l'Afrique du Sud sont essentiellement dues à ces échanges qui sont de nature culturelle, mais c'est un exemple qu'on doit reproduire à travers le monde. Que vous allez nous écraser. Je trouve que en matière de conception de politique culturelle, vous êtes des très dangereux adversaires, parce que la conception est très claire, votre conception est très claire. Comment vous, à partir de ces thèmes de développement économique, de la cohésion sociale et de la diplomatie culturelle que d'autres appellent le soft power, comment vous pouvez influencer par le poids économique de l'Afrique du Sud, par son développement politique, sa conscience politique, comment vous pouvez influencer vos petits frères africains qui sont autour? Et je ne sais pas si vous avez entendu, il y a maintenant quelques années, notre président de la République, je sais bien qu'il ne faut jamais remuer tout ça, mais avait dit que l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire. Alors, ça a dû un peu quand même agacer l'Afrique, j'ai l'impression. Et ça agace encore. Si ça ne vous ennuie pas, je cite. C'est pas le sujet, dit Monsieur Dassault. Voilà, donc c'est pas le sujet. J'ai affaire à un Africain. L'Afrique aujourd'hui est en train de faire apparaître la culture non seulement comme un élément de cohésion sociale, mais aussi comme une richesse, comme une vraie ressource. Il y a des artistes, il y a un marché de l'art qui se développe, il y a des industries culturelles. Comment aujourd'hui vous allez peser dans l'ensemble mondial face à des géants américains, à des conceptions anciennes et puissantes, des marchés importants européens? Comment vous allez arriver à faire un peu tache d'huile sur ce continent? Écoutez, tout d'abord, je dirais quand même ceci. Si l'on parle de cohésion sociale autour de la culture,
Bien évidemment, ce concept n'est pas nouveau sur le continent africain. Dès 1912, vous vous rappellerez que l'un des grands personnages de l'ANC, qui est au pouvoir aujourd'hui, a appelé à l'Union africaine à travers un mouvement de libération et c'était un appel à l'unité du peuple, enfin, à l'unité au-delà des frontières tribales. Et c'est un mouvement qui a retrouvé un nouvel essor dans les années 50. Et cela aboutit à ce qu'on appelle la charte de la renaissance africaine. Donc il y avait déjà sur le continent africain cet effort d'essayer de réunir les pays sur une base de coopération culturelle. En Afrique du Sud, justement, où nous avons des accords culturels avec l'Angola, le Sénégal, le Mozambique, le Nigeria, effectivement. Donc bien des pays du continent africain. Donc ces liens culturels sont en train de se resserrer et l'Afrique est sur la bonne voie. La culture devient justement ce que vous appelez ce soft power qui permet de construire les relations. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait. Et j'irai même plus loin, puisque si on va au-delà du continent africain, nous avons des liens étroits avec les pays BRIC. Hein, l'Afrique du Sud, d'ailleurs, faisait partie des BRICS, mais même ailleurs, il y avait des relations avec le Royaume-Uni, avec la Chine. Il y a ces saisons, ces années d'échange. Donc, on s'en sert pour resserrer les liens d'amitié. Mais amitié et même influence mutuelle, il faut le savoir, puisque si la culture est le véhicule, inévitablement, nous allons montrer ou donner l'exemple de notre façon de vivre, mais nous allons influencer dans les deux sens, encore une fois. Hein, ce n'est pas nous qui influençons les autres avec notre culture, c'est réciproque. Hein, et je crois qu'on peut tirer, enfin, dans ce genre de démarche, une situation gagnant-gagnant. Alors, on parle de pouvoir, ça donnerait l'impression qu'il y en a un qui s'impose à l'autre, alors que là, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre des horizons, qu'on ouvre des perspectives pour nos artistes qui peuvent trouver un débouché, mais ces débouchés vont dans les deux sens. Alors, vous vous rappellerez le débat aux Nations Unies où tout le monde disait, écoutez, lorsque nous avons établi les objectifs de développement du millénaire, on a oublié la culture. Mais après 2015, il faut retrouver la culture qui doit être au centre du développement. Et n'étant pas un sujet consensuel, puisque ça s'appelle culture, combien de divisions, point d'interrogation, c'est pas moi qui l'ai inventé. Est-ce que, au-delà peut-être des divisions peut-être artificielles entre copyright, droit d'auteur, États-Unis, Europe, est-ce que vous pensez qu'il y a encore aujourd'hui entre le Nord et le Sud des divisions et que d'une certaine manière le Sud que vous représentez autour de cette table n'a pas encore complètement toutes les clés de ces stratégies culturelles, de ces industries culturelles? There may be difference. Alors il y aura des différences d'approche entre le Nord et le Sud. Pour autant, les problèmes auxquels nous nous heurtons sont les mêmes. Dans mon pays, lorsque je rencontre des représentants du secteur de la culture, ils ont les mêmes problématiques de droit d'auteur ou de copyright, justement. Il y a le problème de contrefaçon. L'Internet a permis d'ouvrir beaucoup de débouchés, mais il y a aussi des inconvénients, puisqu'il y a des téléchargements illégaux. Enfin, tous ces problèmes, nous les connaissons. Et nous en souffrons. Alors peut-être que la façon d'y répondre par la législation peut différer. Pour autant, les problèmes sont les mêmes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il faut davantage coopérer. Parce que, effectivement, ces mouvements sont mondiaux. Vos homologues chinois ou brésiliens, vous avez des choses en commun, non? Vous voyez souvent quand même Brésil, Afrique du Sud, Chine. C'est un autre axe que celui auquel on est habitué. Je me trompe? Vous savez, on nous dit souvent que nous sommes un plus petit joueur que la Chine.
Bon, bien sûr. Pour autant, cette relation nous apporte beaucoup de choses. Alors, évidemment, la relation avec la Chine n'est pas la seule que nous ayons. Nous avons d'autres relations. D'ailleurs, nos grands partenaires commerciaux, d'ailleurs, se trouvent pas dans les pays, parmi les BRICS, ils sont ailleurs. Mais pour ce qui est des relations Sud-Sud, effectivement, la relation avec la Chine nous est très bénéfique. D'ailleurs, nous pouvons d'ailleurs également influer sur ces pays pour la question des échanges, mais au-delà aussi. Je suis assez confiance sur la façon dont les choses évoluent. Agir sur la question liée à l'Afrique. Oui, je voulais juste réagir d'un mot sur ce qui a été dit par rapport à la question qu'on peut se poser sur l'apport de l'Afrique au reste du monde, qui est immense. Sur le plan musical, on ne dit pas assez que les grands bouleversements, les deux grands bouleversements au XXe siècle dans le monde de la musique pour l'Europe et les États-Unis, c'est l'apport de l'électricité, c'est-à-dire le fait de la musique enregistrée, de la musique qui aujourd'hui est devenue la musique électronique, électroacoustique, etc., et l'apport de l'Afrique, qui a introduit la notion de rythme et de polyrythmie, qui a donné naissance au blues, au jazz, au rock. Ça vient d'Afrique. L'apport de l'Afrique, en l'occurrence, et montre bien que la culture d'un continent, pas seulement d'un pays, d'un continent, peut avoir une influence majeure sur le reste du monde. Et c'est évidemment le cas de l'Afrique dans le domaine musical au XXe siècle et aujourd'hui. Bon, bah alors donc l'Afrique est éclairée, voilà. Hein? Absolument, bien entendu. Enfin, la question se pose. Éclairante. Larry, et puis on va demander à Yun Fan de nous faire traverser les océans pour aller en Chine. Right, but we shouldn't ignore that. Vous savez, il ne faut pas quand même oublier qu'il y a quand même des grosses différences ici. Le fossé nord-sud ne pose pas un gros problème sur le plan du copyright, enfin c'est un problème, mais l'extrémisme de la position du nord sur les schémas économiques a quand même eu une grande influence. Quand les États-Unis ont forcé l'Afrique du Sud à arrêter la production des médicaments contre le sida, parce que cela allait à l'encontre du droit du brevet aux États-Unis, bon, alors là, vous avez quand même un effet désastreux provoqué par une forme d'extrémisme. Hein. La plus grosse contribution qu'a fait le Sud ici, hein, dans leur relation avec la Chine, le Brésil, c'est de remettre en cause cet extrémisme en se disant, au fond, quel est l'intérêt, quel est l'objet d'une telle réglementation. Le but du jeu, ça n'est quand même pas d'empêcher que les pauvres aient accès aux médicaments. Vous êtes le plus sérieux d'entre nous, parce que si vous n'étiez pas réveillé, il y avait un texte qu'on pouvait lire, n'est-ce pas? Donc, vous allez nous lire un petit texte. Moi, on a adoré vos films, Lost Romance, mais c'était il y a déjà 20 ans, Peony Pavilion et plein d'autres. Vous avez fait jouer des grands acteurs, Daniel Wu, Maggie Cheung et d'autres, les grands acteurs chinois. Vous êtes né en Chine, passé par Taïwan, Hong Kong, vous êtes un citoyen européen, un citoyen du monde, réalisateur, photographe, écrivain. Même si vous avez votre texte est déjà prêt, là, et que vous allez nous le lire et qu'on va l'écouter religieusement, comment vous réagissez à cette conversation entre nos trois amis? Et puis, bah, je vous laisse après nous dire ce que vous voulez nous dire. Please. Yes. I definitely... Oui, depuis hier soir, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place ici. Pourquoi? Parce que tous les intervenants étaient si éloquents, puissants, cultivés. Je me sentais comme un chien dans un jeu de quilles. Alors, je voulais vous raconter une histoire ou un propos sur les histoires. Alors peut-être que cela va vous détendre un peu d'écouter des histoires. La première histoire, justement, c'est quelque chose, enfin c'est une histoire qui m'est venue hier quand je suis descendu du bus. J'ai rencontré un monsieur très bien, on a une petite conversation. Et puis plus tard, quand je me suis retrouvé dans l'ascenseur, j'ai retrouvé ce même monsieur et la conversation a repris. Et puis ensuite, en me rendant au forum, pour une troisième fois, j'ai vu ce jeune homme et on a eu une conversation. Il m'a demandé, est-ce que c'est la première fois que vous venez au forum? J'ai dit oui, mais je remplace
Et puis nous avons été séparés par la circulation. Donc la conversation a été interrompue ainsi que ma phrase. Et j'ai vu que ce monsieur n'était autre que Nicolas Sédoux, notre président. Voilà, c'est une petite anecdote. Et alors je voudrais conclure cette anecdote en disant que voilà, je remplace qui ? Je remplace Wong Kar-wai qui aurait dû venir en personne parce que comme vous le savez, mes films n'ont jamais été distribués en France. Personne ne me connaît en France. Par contre, Wong Kar-wai était censé venir ici et lui n'avait pas besoin d'écrire un manuscrit. Mais enfin, toujours est-il qu'il y a deux mois, lorsque Le Grand Maître, le film de Wong Kar-wai, a été nommé pour 12 prix en Chine, et c'est un peu comme vos Césars ici en France, et d'ailleurs, la cérémonie de remise de ces prix a lieu aujourd'hui même à Taïwan. Bon, il est là-bas. Donc, c'est de ce fait que moi, je le remplace. Et lorsque Wong Kar-wai m'a appelé il y a deux mois pour me demander de venir ici, je lui dis, écoutez, je ne suis peut-être pas le meilleur débattant. Enfin, je ne suis pas très doué en débat. Et ce matin, à l'heure du petit déjeuner, j'étais terrorisé. Je me suis dit, voilà, je ne vais pas pouvoir. Oui, à 7 heures du matin, vous n'étiez peut-être pas encore tout à fait réveillé. Donc, Wong Kar-wai, disais-je, m'a dit, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de répondre, de réagir au débat, de participer. Raconte simplement des histoires. Alors, je vais raconter l'histoire de deux femmes. Deux femmes qui ont été influencées par le pouvoir du cinéma pendant la Deuxième Guerre mondiale, de l'Orient et de l'Occident. Deux femmes dont l'objet était des agents de propagande pour leur gouvernement respectif, et le destin de ces femmes a été très différent. Après la guerre, Leni Riefenstahl d'Allemagne donc, et Shinya Yamaguchi du Japon, que les Chinois appelaient Li Shanglai. Alors, Leni Riefenstahl, donc, a d'abord été saluée, puis condamnée pour son œuvre de 1935, Le Triomphe de la Volonté, le film sur Hitler, et son documentaire sur les Jeux Olympiques, Olympia, les Jeux Olympiques de 1936. C'était des films qui avaient été commandés par le gouvernement nazi sur Hitler, donc qui faisait la gloire de Hitler et du Troisième Reich. Après les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, malgré ces affirmations au contraire, eh bien, Leni Riefenstahl a été considéré comme faisant partie intrinsèque de la machine de propagande du Troisième Reich et a été condamnée par la communauté internationale. Et elle n'a pas fait de film pendant 50 ans après la fin de la guerre. C'était une femme quand même d'un fort tempérament et qui était en avance sur son temps. Alors que Shinya Yamaguchi, qui était une petite japonaise qui venait de la partie mandchourienne de la Chine, avait été ramassée par le bureau de propagande des autorités d'occupation japonaise et en ont fait une petite chanteuse et starlette du cinéma. On lui a donné un nom chinois pour représenter la petite fille de la maison d'à côté et qui était toujours séduite par les Japonais, leur façon de vivre. Elle est devenue une grande star finalement, aussi bien en Chine qu'au Japon, pendant la guerre sino-japonaise. Et alors, aux yeux des Chinois, c'était comme un rossignol adorable. Personne ne voulait la critiquer. Et du côté chinois, on disait, voilà, ça c'est la fille idéale pour tout le monde. Elle était le symbole d'une meilleure relation entre la Chine et le Japon pendant la guerre, au lieu d'être considérée comme une machine de lavage de cerveau. Mais après la guerre, elle a été arrêtée par le gouvernement chinois, condamnée pour trahison, collaboration et pour avoir collaboré avec l'occupant japonais. Et elle était considérée comme une espionne et un traître. Et elle a été condamnée à mort, mais quelques jours avant son exécution, son identité japonaise a été révélée et elle a été renvoyée au Japon. Et elle a eu beaucoup plus de chance que Leni Riefenstahl. Elle a pu continuer, poursuivre sa carrière d'actrice au Japon, à Hong Kong et même à Hollywood. Et elle est même devenue sénateur au Parlement japonais pendant 18 mois. Alors, on pourrait se dire, voilà, d'un côté, on est considéré comme une machine de propagande au service
du Reich pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais vous voyez que la puissance du cinéma pour influer sur les gens pendant ces situations de crise, on sait que de tous les temps, en temps de crise, en temps de guerre aussi, il y a de l'art. L'art, c'est la culture, mais la culture, on ne peut pas en vivre de la même façon. On n'en dépend pas de la même façon qu'on dépend de la nourriture pour survivre, par exemple, mais d'une autre façon, on en a besoin, parce qu'à travers les temps, nous avons toujours nous avons défini 7 catégories d'art, et puis il y a une combinaison de toutes ces catégories qui se retrouvent au cinéma, le film qui reprend toutes les formes d'art, puisque les 7, c'est le 7e art, finalement, qui est le plus puissant de tous les arts. Le cinéma a davantage de dimensions que la peinture, que la sculpture que vous avez sous les yeux. Le cinéma est plus accessible que la musique classique, que les ballets. Et puis le cinéma a sa part à la fois d'action, de drame et de littérature. Le cinéma devient une forme de divertissement, mais également une forme de culture beaucoup plus accessible, beaucoup plus générale, puisque c'est véritablement une forme d'art destinée aux masses, à tout le monde. Les projections du film sur les grands écrans, vous avez des milliers de gens qui peuvent recevoir, voir le message, éprouver les émotions qu'on veut les faire ressentir. On demande aux spectateurs de suivre un personnage. La puissance de cette culture cinématique vous influence sans même que l'on s'en rende compte. Et puis, le cinéma prend une immense popularité, pour le meilleur ou pour le pire. Eh bien, vous en trouvez soit amélioré en tant que personne, soit vous en êtes la victime, mais vous avez toujours dans le cinéma une autre forme de pouvoir qui apparaît, le star power, la puissance du star system. Vous avez les acteurs et les actrices, à travers leurs images à l'écran, peuvent influer sur la façon de penser du public, et le personnage qui apparaît sur l'écran devient encore plus puissant que l'impact de la classe politique. Par exemple, en Inde, les stars du cinéma ont plus de popularité que les dirigeants politiques. Dans certains pays, vous avez même des vedettes de cinéma qui deviennent présidents pour le meilleur ou pour le pire, mais enfin, on se souviendra davantage de ces stars du cinéma, des présidents qui avaient été stars de cinéma que des autres présidents. Mais enfin, on peut se dire, mais finalement, que faire de la puissance du cinéma? Après tout, le cinéma vous met sur un plateau d'argent, le pouvoir d'influer sur la culture des gens, mais cette influence, elle est aussi bien matérielle que spirituelle. Ce pouvoir peut être malfaisant, peut être une force de manipulation, mais la culture peut retourner, transformer cette énergie négative en énergie positive. Alors, revenons à ces deux femmes sur lesquelles j'avais ouvert ma conversation. Leni Riefenstahl, comme vous le savez, était une femme en avance sur son temps. Et comme je l'ai dit précédemment, donc, elle avait un penchant pour les cultures non conventionnelles et elle voulait faire des films puissants. Et effectivement, elle a pu réaliser ses rêves en devenant la machine de propagande du régime nazi et du Troisième Reich. Quel que soit le talent, quelle que soit la qualité de son talent artistique, il est encore un peu tôt pour la juger. Shilam Yamaguchi, et j'en suis à la dernière page de mon manuscrit, Shilam Yamaguchi, qui était une femme qui, par sa nature, exaltait une certaine forme de pureté, sa présence à l'écran, mais sa musique, ses chansons, on fait d'elle une autre image. Donc la culture, le pouvoir, être ou ne pas être, toute la question est là. Je vous remercie de votre patience. Je vous ai pris la dernière page pour voir si vous aviez vraiment écrit votre texte vous-même. Voilà.
C'est bien qu'on ne soit pas venu finalement. Hein. Merci d'être là, cette belle parabole sur la culture. On va la laisser comme ça, un peu en suspens, et en profiter pour demander à Bernard Landry, du haut de sa longue expérience politique, comme chef du Parti québécois, comme une très grande figure politique nord-américaine, et puis parce que vous êtes quand même le plus titré d'entre nous, vous avez été Premier ministre, vous, mais peut-être que vous le serez, Monsieur Machatilé, un jour, de nous faire sinon la synthèse. Mais finalement, le Québec, vous êtes... parlons la même langue, nous avons beaucoup de... d'échanges sur ces questions d'expression culturelle, et en même temps vous êtes très nord-américain, vous savez ce que c'est que le monde anglo-saxon. De nous, au terme de cette première table ronde, et avant qu'on donne peut-être la parole à quelques-unes d'entre nous, de nous dire un peu comment vous voyez l'évolution de ce monde depuis ces quelques années dans le domaine de la culture, et puis ce que vous prévoyez du haut de votre Québec préféré, Monsieur le Premier ministre. Bon, j'occupe une situation à cette table, je pourrais dire géographique, assez complexe. J'ai à ma droite un citoyen d'un pays de 250 millions d'habitants, à ma gauche 1,3 milliard d'habitants, et j'ai dirigé un pays de 8 millions d'habitants. Ce qui met en lumière les difficultés des petites nations de préserver leur culture et d'avoir un dialogue que l'on veut d'égal à égal avec toutes les autres, mais qui, évidemment, doit s'adapter aux conditions mathématiques, si je puis dire. Ce qui s'est produit depuis la Deuxième Guerre mondiale est globalement un succès humain spectaculaire. La Terre est devenue, comme l'ont dit deux économistes américains il y a quelque temps, « flat earth ». Et ils ne niaient pas la rotondité de la Terre. Ils parlaient de toutes ces révolutions économiques et de libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, et bien entendu de la culture et des idées. Quand cette mondialisation a commencé à se faire jour, il y avait des anti-mondialistes, vous vous souvenez, manifestations anti-mondialistes. Il n'y en a plus. Fort sagement, ils sont devenus alter-mondialistes. Ça veut dire qu'ils ont pris conscience de tous les bienfaits de cette nouvelle façon des êtres humains de communiquer entre eux, de coopérer, mais en même temps des dangers. Et l'un des dangers, justement, touche l'univers culturel. Certains disent globalisation. C'est une copie du mot anglais globalization. Ce qui laisse présumer qu'un des dangers de la mondialisation, c'est ce qu'on pourrait appeler l'homogénéisation culturelle, qui serait catastrophique. Si l'humanité passait rapidement ou lentement à la même langue, ça serait un recul invraisemblable pour la pensée, pour la culture, pour l'affection entre les êtres humains, les connexions intergénérationnelles où les petits-enfants ne pourraient plus parler la langue de leurs grands-parents. Bref, ce serait catastrophique. Fort heureusement, une conscience de ce danger s'élève. Et je vais raconter quelques petites anecdotes liées à l'aventure québécoise. Lors du sommet de la francophonie à Beyrouth en 2002, le Québec a proposé la notion d'exception culturelle. La France, immédiatement, a souscrit à notre proposition, et toute la francophonie. Et fort heureusement, cela fut communiqué à l'UNESCO. Et maintenant, c'est une valeur planétaire dans les divers traités, dans les relations économiques, de faire cette exception culturelle qui est absolument fondamentale.
Avec des ratifications un peu lentes à venir. Hein. C'est pas les Américains n'étaient pas très enthousiastes à chaque fois qu'on en a parlé. Oui. Sauf qu'on a signé un traité de libre-échange avec eux en 88 et il y a une exception culturelle. Donc, ils sont mal placés pour aligner l'exception culturelle un peu partout quand ils en ont signé une parmi les premiers. Actuellement, il y a des négociations de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Exception culturelle. Il y a aussi des négociations entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Ça veut dire que tout ça sera plus important que la Chine en produit national brut beaucoup et presque en population. Alors l'exception culturelle, elle fait son chemin. En d'autres termes, la culture n'est pas une simple marchandise. La culture n'est pas une marchandise. C'est une valeur humaine qui, évidemment, est connectée à l'économie et profondément. Et ça, vous ne l'ignorez pas dans l'Amérique du Nord, hein, vous êtes très conscient. La première industrie des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas l'automobile, c'est la culture. Et dans plusieurs pays, même dans les pays en voie de développement, c'est la culture qui sauve. Il y a un vent positif qui s'élève sur l'Afrique actuellement. Il y a 20 ans, tout le monde pensait que jamais, économiquement, l'Afrique ne pouvait nous rejoindre. Mais il y a 20 ans, les gens sérieux savaient que l'Afrique était une région riche sur le plan culturel. La culture sauvait. Et votre ministre de la Culture au Québec est d'origine africaine, si je ne me trompe pas. Exactement. Il s'appelle Maka Koto. Et il a dit, si j'étais né au Québec, je m'appellerais Marc Croteau. Ça, voilà encore un qu'il faut appeler au gouvernement, hein, c'est bien. Oui. Non, mais il est très sympathique en plus, c'est très efficace. C'est pour dire que moi, après donc des décennies d'obsession économique, c'était mon métier, j'étais ministre de l'économie, du développement économique, de l'économie internationale, et ma conclusion, et je l'ai déjà donnée au Forum d'Avignon, je crois que la première valeur d'une nation, ce n'est pas l'économie, c'est la culture. Si par ailleurs, une économie puissante et dynamique est au service de la culture, c'est sûr que les chances de bonheur de ce pays sont énormes. Mais sacrifier à l'obsession matérialiste sans penser à la beauté des choses, sans penser à la littérature, à la musique, au théâtre, qui, dans la vie des gens, chaque jour, joue un rôle beaucoup plus important que les cours boursiers et les bonus des traders à Londres. Alors, j'ai déjà dit à cette table, je le redis, il y a une rencontre à Davos à tous les ans, une rencontre économique. Je crois que le monde entier devrait tourner ses yeux plus vers Avignon que vers Davos. Puisque la valeur la plus importante, c'est ici qu'elle se discute, et non pas entre représentants des grandes multinationales, pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, qui se fait certaines sont ici, d'ailleurs. Hein, oui. C'est pour ça que je leur ai exprimé mon respect, évidemment. Je vois le diplomate en vous. Oui, parce que j'ai bien dit culture, première valeur, mais il faut avoir ce qu'il faut pour rémunérer les artistes, les danseurs, les chefs d'orchestre, construire les salles de concert et les musées. D'ailleurs, la France est un assez bon exemple. Je sais que vous êtes assez nostalgique ces jours-ci. Là. J'ai passé quelques jours à Paris, puis je lis vos journaux. Ça fait quelques années. Hein? Oui, ça fait quelques années. Avant, vous étiez ultra critique vis-à-vis de vous-même, mais vous ne vous croyez pas. Maintenant, vous êtes critique et vous le croyez. Alors, ça fait un climat un peu... Mais le reste du monde aussi commence à partager cet avis, d'ailleurs. Le reste du monde, expliquez-moi pourquoi il y a 70 millions d'étrangers qui viennent dans votre pays chaque année. C'est parce qu'il y a... C'est pas parce que vous avez des montagnes et la mer, il y en a partout. C'est à cause de la culture. C'est à cause de vos musées, de votre architecture, de votre style de vie. Et c'est vrai pour vous, et c'est vrai pour beaucoup d'autres pays.
Je reviens à la question québécoise parce qu'on m'avait demandé d'en parler. La culture, évidemment, est fondamentale pour cette nation de 8 millions d'habitants. D'abord parce que nous nous sommes battus pour la sauver. Nous avons eu comme colonisateur le plus efficace et le plus puissant de l'histoire contemporaine, les Britanniques. Et ils avaient décidé de façon systématique de nous faire perdre notre langue, ce qu'ils avaient réussi à faire avec les Irlandais et avec les Écossais. Mais nous, ils nous ont ratés. Nous nous sommes battus, ce qui fait que Vous étiez un peu français, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Voilà. L'activité culturelle au Québec est débordante par rapport à notre population. Céline Dion est plus prospère, populaire aux États-Unis, d'après les sondages, qu'Elvis Presley ne le fut. C'est une Québécoise. D'ailleurs, elle est née dans un village qui s'appelle Charlemagne, et quand on lui a remis la Légion d'honneur, elle a dit « Je suis très honorée pour une petite fille de Charlemagne », puis vos journalistes ont dit « On ne savait pas qu'elle avait Charlemagne comme ancêtre ». C'est Céline. Alors, Céline Dion, mais plus encore, le site du soleil qui rayonne, et là, le lien entre économie et culture, c'est que le chiffre d'affaires de Céline et celui du site du soleil est plus élevé que celui de centaines de PME québécoises et françaises. Le lien entre la culture et l'économie, des fois, est tout à fait spectaculaire et important. Et on a parlé hier du rôle de l'État dans le développement de la culture. D'ailleurs, l'exception culturelle, c'est surtout pour permettre aux États de continuer à intervenir. D'après les règles du GATT, une subvention à un produit interdite. À la culture, non, à cause de... Parce que les États doivent intervenir, surtout dans les cas de population moindre. Aux États-Unis, ils n'ont pas besoin d'intervenir. Les gens payent leur billet, puis ils vont au concert et ça règle la question. Bien que, d'une façon un peu hypocrite, vos fondations privées d'impôts, souvent, interviennent dans la culture. Mais, pour un pays même comme la France, vous avez le devoir, par votre État national, de soutenir le cinéma et d'autres activités culturelles, ce que vous faites et ce que le Québec fait. Et je termine un peu par cette petite anecdote. J'ai parlé du Cirque du Soleil, qui a rendu tous les autres cirques du monde pratiquement folkloriques, y compris Barnum & Bailey & Daly Brothers. Le Cirque du Soleil a commencé avec une subvention de 1 000 $ du gouvernement du Québec pour acheter un chapiteau. C'était des amuseurs de rue, dont un avaleur de feu, qui est aujourd'hui le grand patron du cirque, qui sont venus nous demander 1 000 $. On leur a donné 1 000 $. Ils nous remettent ça dans 15 secondes aujourd'hui, évidemment. C'est une entreprise milliardaire avec des dizaines et des dizaines de milliers d'employés dans le monde entier. Alors, même quand l'État investit pour sauver la culture, ça peut avoir l'air purement culturel, mais ça peut aussi être très matérialiste à cause de l'impact économique de la culture dans la plupart des pays. Je crois que vous avez bien résumé les enjeux par ce témoignage, l'exemple du Québec évidemment, et puis aussi, je pense, ruiner un peu l'idée que seules les grandes nations, que seul le poids démographique donne une place à une culture dans le monde. Et c'est vrai que vous avez, vous, sur la question de la diplomatie culturelle, j'emploie ce terme pour pas devant vous employer le terme de soft power, mais vous avez réussi, en effet, le Québec à avoir une image mondiale. Et il n'y a pas tant de pays qui ont cette image mondiale. Voilà. Vous êtes très sensible au Québec à la parité, hein, homme-femme. Alors là, vous voyez que nous sommes vraiment hors des clous. Et donc les intervenantes que j'avais annoncées ne se sont pas levées, ni Frédéric Brodin, ni Françoise Benhamou, ni Siem Belkodja, ni Monique Cantos-Pervert, ni Ruth Toms, me dit-on, ne sont là, mais elles sont largement représentées par un certain nombre de nos camarades, avec un E à la fin, Audrey Azoulay, Laure Darcos, l'artiste Susanna Fritscher, et puis je crois Laurence Le Cède d'Orange. Est-ce que prioritairement et de manière discriminatoire,
certaines d'entre vous voudraient intervenir pour conclure cette petite séance. Non, ça, monsieur, vous êtes interdit de parole. Là, vous avez le tort. Voilà, pardonnez-moi. Après. On a parlé, en fait... Présentez-vous peut-être, si vous voulez bien. Laurence Leny, Orange, voilà. Je suis en charge, en fait, de la musique et des projets culturels. Donc, on a parlé, en fait, de la culture, en fait, et le combien de divisions. On voit bien, en fait, que... avec le numérique, en effet, il y a un changement de paradigme et on revient quand même à l'économie, puisqu'en fait, la question, en effet, c'est comment en fait les artistes vont pouvoir en fait créer et vivre de leur création avec en fait le numérique. Mais on n'a pas parlé en fait du pouvoir du nombre, en fait, puisque du coup la question en fait du nombre, on a parlé de l'économie, enfin du politique, mais le pouvoir en fait du nombre, et donc faut-il s'affranchir en fait du nombre? Bon, vous allez répondre à la question, parce qu'a priori les femmes sont pas faites pour poser des questions, et c'est vous qui allez répondre. Votre avis? C'est une question. Enfin, puisqu'on revient quand même à la partie en fait économique, j'ai une vraie question là-dessus, notamment en fait pour l'Europe. Si l'Europe en fait ne se lie pas ensemble pour créer une vraie culture européenne, il est clair que on aura beaucoup de difficultés. À faire en sorte, puisqu'on voit en fait que sur la distribution et la diffusion en fait de la culture, il y a vraiment en fait des grands groupes qui aujourd'hui ont forcément des assises économiques beaucoup plus solides que des groupes en fait européens. Et qui sera très difficile en fait à terme de pouvoir en fait maintenir cette diffusion en fait culturelle et économique s'il n'y a pas une alliance. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'avec le numérique, j'étais en Afrique du Sud justement la semaine dernière lors de l'AfricaCom, où pour la première fois en fait, on a parlé en fait de la diffusion et la distribution de la culture et notamment de la musique. Et on voit bien qu'en fait, il y a beaucoup plus de mouvements en fait dans les pays comme l'Afrique, l'Asie, et que en Europe, en fait, il y a une réglementation qui est peut-être trop, rigide et qui ne permet pas forcément cette liberté en fait et cette expansion en fait d'un point de vue économique. Merci à Laurence Leny d'Orange, mais je pense qu'il y a un autre groupe qui est présent ici, c'est Hachette. Hachette, où est Hachette? Où est Laure Darcos? Comment vivre sans Laure Darcos? Ah voilà, voilà. Oui, moi je... Asiem s'est levé. Ah, bah ça, voilà. Je voudrais répondre en effet, répondre, poser des questions et surtout faire un commentaire. Combien de divisions? Ce qui est étonnant, c'est que les gens autour de la table... Monsieur Ling, même le Creative Commons, en tout cas dans ce débat, ont paru plutôt consensuels. Les divisions ne se font pas sur le plan mondial, c'est-à-dire je pense qu'autour de la table, tout le monde était plutôt unanime pour, en tout cas, parler du respect des droits d'auteur, même pour les copyrights. Enfin, on est tous quand même dans le même esprit. Moi, je voudrais rendre hommage à Pascal Regard qui a mené une campagne, une croisade sur l'exception culturelle absolument étonnante vis-à-vis de la Commission européenne. Et ce qui est navrant, c'est que finalement, on est tous d'accord sur le plan mondial, sauf en Europe. Et donc, pour répondre à madame, je pense qu'aujourd'hui, c'est moins le problème d'essayer de trouver une plateforme ou une tablette européenne pour concurrencer les géants américains. Je pense que le problème n'est absolument pas là. Nous, chez Hachette, on a par exemple une politique d'essayer de s'immiscer dans leurs instances comme l'IDPF ou W3C, qui sont les instances qui organisent les futurs formats numériques. Et il faut être dans ces instances-là pour pouvoir savoir ce qu'ils vont faire, essayer de les contrecarrer, même vis-à-vis des DRM et autres, sur leur terrain. Mais je crois que le problème n'est pas là. Le problème est un problème de fond, qui est d'essayer, au sein de l'Europe,
d'arrêter de passer pour des ringards quand on parle de la défense du droit d'auteur. Et j'ai été absolument atterrée de voir qu'une fois de plus, les Français menant la bataille de ce combat-là sont passés pour des conservateurs et des gens d'un autre âge. Voilà. Donc, combien de divisions j'aurais... Finalement, il aurait peut-être fallu avoir plutôt plusieurs pays européens autour de la table, parce que c'est navrant, c'est finalement ces gens-là qui ne s'entendent pas. Alors que l'Afrique, l'Asie nous montrent, et le Canada, M. Landry, le Québec, nous montrent que, bien évidemment, tout le monde est d'accord, en tout cas, sur cette safe harbor-là. Voilà. Ah, tiens, j'ai une idée, puisque la culture... combien de divisions, on était un peu consensuel, je suis d'accord. Je profite de la présence de Siem Belkodja. Et je ne pense pas être hors sujet, mais enfin bon, si vous, je le suis, vous me le dites. Vous êtes, on vous connaît bien au Forum d'Avignon, vous êtes une activiste culturelle, comme ça que je vous présente. Là, on était entre nous dans le fond, mais c'est vrai que vous avez d'autres dans votre pays aujourd'hui. Ça veut dire quelque chose, non, la culture, combien de divisions? Je me trompe. Bonjour. Bonjour. En tous les cas, par rapport à mon pays aujourd'hui... Je suis très heureuse de découvrir que le pouvoir de la culture est important. Parce que si les islamistes sont, en tous les cas, sont retardés dans leur évolution en Tunisie, c'est grâce aux artistes. Et donc le pouvoir de la culture existe. On est effectivement, on n'a pas beaucoup de moyens, on est fragile, mais quand même, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont peur des artistes. Et on reprend même... Au-delà de Ben Ali, aujourd'hui, un rappeur, en tous les cas quelques artistes, sont emprisonnés en Tunisie. Donc ils ont peur de ces artistes-là. Et ce que je peux dire, c'est très tôt aujourd'hui, parce que moi je voulais parler demain pour encore m'intégrer dans ce sujet-là. Pendant 20 ans de ma vie, je ne pensais pas du tout qu'on était important, les artistes, en Tunisie. On faisait des petits chemins chacun, dans la danse ou dans le documentaire, et on pensait qu'on n'avait pas notre place. Et si aujourd'hui, malgré que vous regardez la Tunisie d'une manière pessimiste, moi je suis optimiste grâce aux artistes et aux femmes. Parce qu'avec nous, ils vont avoir peur. Vraiment. Parce qu'ils ont peur du corps. Ils ont peur du corps, ils ont peur du débat. Et la force de cette Tunisie, en tous les cas, a été l'éducation et l'éducation artistique. Les petites maisons de culture où on a pris chez vous, et c'est grâce à Bourguiba, dans 23 gouvernorats de Tunisie, il y a 400 petites maisons de culture. Et c'est là où on fait le petit danseur ou le petit musicien. Tout est à refaire. Et tout est à refaire. Mais le prix d'une révolution, chez vous, ça a été 100 ans. Chez nous, c'est peut-être 10 ans. Il faut être à nos côtés et pas nous regarder très vite au bout de 2 ans dire oh, « Mais c'est foutu, la Tunisie ». Non, elle n'est pas foutue parce que moi, je suis là. Moi, j'ai 50 ans. Et grâce à Bourguiba, les femmes et les artistes sont là. Donc, tant mieux qu'il y ait un pouvoir de la culture. Le seul petit problème, ce que je peux dire, et l'idée de notre ami américain m'a donné une petite idée encore une fois... c'est d'avoir cette histoire d'Internet, de trouver des fonds. Parce que, au-delà d'Orange, au-delà de tous les partenaires que je vois chaque année, effectivement, les islamistes, eux, ont un budget pour le développement culturel islamisé. Parce que eux aussi, ils ont compris. Les associations en Tunisie ne s'appellent plus musulmans et machin truc. Non, ils s'appellent pour la culture aussi. Ils ont changé le concept des noms des associations. Nos amis turcs développent un travail de fond sur un projet islamique au nom de la culture. Eux aussi, ils ont compris que par la culture. Mais comme nous, la culture est une deuxième peau et notre âme et notre sang... Le public, moi j'ai 30 000 spectateurs qui viennent gratuitement pour la danse, 30 000 spectateurs qui viennent gratuitement pour le documentaire, pour le design et la mode. Aujourd'hui, le marathon des mots, grâce à Olivier Poivre d'Arvor, c'est par accident que tu es là, je suis désolée de te remercier comme ça, mais il a pris Toulouse et le forum et la rencontre de Toulouse, il l'a ramené à Tunis. Moi j'étais danseuse, je ne savais même pas dû être littéraire, mais je me suis dit, comme il y a un débat de femmes, et je vous invite tous, le 8 mars, il y aura Parole de femmes en Tunisie avec le marathon des mots et avec une rencontre. Donc la Tunisie se portera bien grâce à ces femmes et les artistes. Merci. Merci. Alors, messieurs,
je vous propose une double résolution, c'est de proposer à Nicolas Sédoux l'année prochaine d'inviter des groupes islamistes de Tunisie de venir débattre. Après tout, pourquoi pas? C'est une proposition qu'on va leur faire. Et la deuxième résolution, c'est d'arrêter de parler, parce que je trouve que c'est bien de terminer sur le propos de Siem Belkhodja. Voilà, on a commencé entre garçons, on finit avec la voix d'une femme engagée. Vous remerciez beaucoup Larry, Bernard, Yann Fan, Paul et Jean-Michel d'avoir été ce matin tôt avec nous. Saluer le travail de Plantu, de Bolligan et Donnelly qui ont agrémenté pendant toute cette matinée les murs de ce bel endroit. Et vous dire d'ailleurs au nom de France Culture que nous sommes heureux d'être ici, d'animer, d'être présents, que nous croyons évidemment beaucoup au pouvoir de la culture, puisque c'est un jour, il y a 50 ans, les pouvoirs publics, l'État, a pensé que c'était pas absurde de créer une radio qui serait au départ une radio réservée un peu à des programmes culturels et qu'aujourd'hui, en effet, c'est une des radios qui, pardon de faire un peu de publicité, avec RMC dans un genre très différent, a gagné le plus d'auditeurs. Donc, la culture va bien. Merci, bonne matinée, bon forum. Et bon match pour vous demain. Merci. Merci. Et vous allez avoir, alors, je ne sais pas très bien comment le présenter, puisque je sais très bien comment je l'ai présenté l'année dernière. C'est Hector Obalk qui, parmi ses œuvres, il y a ce titre formidable, « Ce sont les pommes qui ont changé ». Alors, donc c'est pas facile de présenter un artiste qui est par ailleurs un chercheur. Et quand je l'ai aperçu avant cette présentation, il a eu ce mot que je trouve formidable. J'espère être à la hauteur de votre souvenir. Donc pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de l'écouter, de le regarder, de l'entendre, j'espère simplement que pour cela, ils auront un tel souvenir qu'ils rêveront de le revoir plus tard, le rêve faisant évidemment partie de la culture. Bon, il faut que je m'arrête immédiatement parce qu'il a commencé son striptease et comme il sait aller très loin. Donc, Hector, à vous la parole et soyez à la hauteur, pas seulement de mon souvenir, mais de tous ceux qui ont eu la chance de déjà vous voir et vous entendre. À vous.